bien sûr que je les conseille. Après, voilà, c'est donc évidemment, donc il y a différents pays, puis bon, à la base, il y a la France, hein, mais l'avantage du coup de l'Espagne par rapport à la France, c'est qu'il y a une approche qui est différente, qui est pas, je dirais presque aussi archaïque et traditionnelle, où c'est, comment dire, c'est plus dans le vif du sujet, si on comprend tout de suite, on est intégré. Alors oui, moi je conseille les études en Espagne, bien évidemment, sinon je serais pas ici, je pense. Il fait toujours beau, les gens sont vraiment beaucoup plus sympas qu'en France, donc franchement je me sens vraiment bien ici et je sais pas si j'aurais eu le même ressenti si j'étais restée à faire mes études en France. Je conseille totalement les études en Espagne, surtout au niveau de la qualité de l'enseignement, encore une fois, et de toutes les infrastructures qu'on ne peut pas forcément retrouver en France. Et en plus, dans certaines carrières, les pratiques, dès la première année notamment. Clairement, oui, je conseille cette expérience parce que on s'en rend compte plus tard, mais ça, on évolue vraiment en faisant ce genre de choses. Le fait de partir de son pays, ça s'ouvre aussi, ça crée une ouverture d'esprit, vraiment, une vraie ouverture d'esprit qui, il faut être prêt, mais je le conseille parce que étudier dans un pays avec une autre langue, rencontrer d'autres personnes, au fond, bah c'est trop cool. C'est un grand oui. Un grand oui, pourquoi? Parce que c'est une belle aventure. Le mot, c'est aventure parce que c'est un l'inconnu, mais à la fois, c'est une très belle expérience où, où tu vas grandir, où tu vas apprendre sur toi-même, sur les autres, sur une culture. Tu vas apprendre une langue qui est absolument magnifique. Tu vas rencontrer du monde tout le temps. Tu vas découvrir une belle ville. C'est que je conseille à tout le monde de venir en Espagne. Donc, pour moi, c'est vraiment l'endroit idéal pour passer ses études, pour avoir un premier pas avec l'université, tout ça, c'est parfait.